Coucou tout le monde! Comme vous avez pu voir, j'ai pas été présente pendant un petit moment. Et ça, c'est à cause de ce petit morceau-là, parce que bon, ben, il a fallu aller la chercher, tout et tout, hein. Non, faut que. Elle est belle, hein? Ouais. Bref, aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau format, qui est un format sur les films, les dessins animés, tout ce qui est vidéo. On fera aussi un petit peu les courts-métrages, tout et tout, je pense. Alors, ce sera pas de l'analyse de film comme vous pouvez en voir chez d'autres personnes parce que je suis tout simplement pas bonne là-dedans, ni qualifiée d'ailleurs. Par contre, ce sera des petits commentaires sur les films parlant de chiens, sur la représentativité du chien. Je pensais que c'était intéressant de faire comme ça une petite émission qui est censée être un format court. Ça va être dur que ce soit un format court, hein. On sait que je suis pas douée là-dedans du tout. Mais on va essayer. Donc je voulais faire voilà, un petit format sur la représentativité du chien. Je pense que c'est quelque chose d'important et d'utile. Ce qui n'est pas bien barré du tout, parce que j'aime pas les films sur les chiens. Donc il y a très peu de films qui vont trouver grâce à mes yeux. Voilà. Bon, ben commençons. Donc mes critères, c'était simplement un film qui parle de chien et si possible dont la couverture met en avant un chien. Comme ça, on sait que ça parle effectivement du chien. Donc j'ai choisi quasiment au pif un film qui s'appelle Max, le meilleur ami de l'homme, qui est un film de John Lafia, qui est sorti en 1993. Donc je ne connaissais pas le réalisateur, qui est également le scénariste du film. Je ne savais pas de quoi ça allait parler, je ne savais même pas dans quel genre c'était. Ça aurait pu bien se passer, hein. Sincèrement, ça aurait pu. Bon, il se trouve que c'était un film d'horreur sur Ah, il faut avoir peur des chiens. Donc c'était un peu bizarre. Après, pourquoi pas en soi? Mais alors déjà, en tant que film d'horreur, je trouve qu'il fait pas peur. Bon, j'ai pas peur des chiens de base. Sans doute que si j'avais peur des chiens, ce serait plus inquiétant. À la limite, ce qui m'a fait peur, c'est le manque de conscience des gens pour la prévention morsure dans ce film. Ça, c'est affolant, mais c'est affolant aussi dans la vraie vie, à chaque fois que je sors dehors et que je vois des gens avec des chiens. Hein. Enfin bon. C'est comme ça. Donc j'ai quand même noté quelques trucs. Hop, j'attrape ma petite feuille. Donc, le film... Comment vous raconter ça sans vous spoiler? Le film parle de Max, un chien qui est génétiquement modifié, ce qu'on va apprendre dans les 10 premières minutes du film, hein, parce que là c'est bon, afin d'être un surchien. Pour remplacer notamment des chiens plus compétents au premier abord en matière de garde. C'est censé donc être un chien qui devient très très fort et qui pourra être vendu par exemple à des entreprises pour garder des locaux, des choses comme ça. Voire même plus. Mais ça, on verra ça dans le film. Donc la première façon de montrer le chien, c'est de le montrer comme un animal sujet d'expérimentation. Donc on commence dans un laboratoire avec un savant fou. Ce savant fou n'est pas motivé par la science, mais réellement par l'appât du gain. Ceci étant placé, bon ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On pourrait parler du manque de conscience du personnage, mais bon. Donc les gens qui supportent vraiment pas du tout les scènes d'expérimentation animale, je ne conseillerais pas le film à cause de cette première partie qui est délicate à supporter. D'un autre côté, c'est plutôt agréable de voir ce genre de choses mises sur le devant de la scène parce qu'on n'en parle pas assez. On a notamment tendance à taire énormément les expérimentations qui se déroulent réellement sur le chien. Je pense notamment aux beagles qui sont élevés à cet usage, mais aussi un petit peu à des golden. Bon, là, le chien en question n'est ni un beagle ni un golden, il s'agit d'un dog du Tibet, le chien qui joue.
Voilà, c'est en demi-teinte. Quelque part, je suis contente que ce soit montré à l'écran, et puis en même temps, c'est censé servir d'effet horrifique qui fonctionne absolument pas pour moi. Je sais pas trop quoi en penser. Mais bon. Donc le chien est rapidement présenté comme un chien protecteur. On a vu que c'était un chien qui est censé être très très fort et très courageux. Il se montre très très fort et très courageux. Donc au début, il est vraiment vu comme le chien de garde, c'est-à-dire un argument pour garder le chien. C'est ah, c'est un super chien de garde, donc il faudrait garder le chien. C'est un argument qui a tendance à me déranger dans la vraie vie, dans les films aussi, mais encore plus dans la vraie vie. Parce que pour moi, avec ma propre vision, bah, le chien c'est avant tout un animal de compagnie et absolument pas un chien de garde. Ou... Bref, c'est pas dans ma conception du chien, tout bêtement. Et c'est là qu'on en arrive à... Et la prévention de morsures, bordel de Dieu! Vous avez oublié le chapitre? Tous les personnages ont un comportement avec ce chien. On dirait qu'ils ont envie de se faire bouffer. Mais vraiment, hein, ne faites pas ça avec un chien. Même c'est lassie chien fidèle, hein, s'il vous plaît. Un chien inconnu, on ne met pas son visage à 3 cm de sa truffe. Ça ne se fait pas. Le personnage principal du film En dehors du chien, c'est une journaliste. Donc elle fait un cadrage comme ça qui est absolument affreux, qui en plus m'a rappelé très très fortement un autre cadrage qui ressemblait vraiment fort d'une vraie présentatrice qui s'est réellement fait bouffer par le chien. Donc ça, c'est juste dangereux et faut pas le montrer. Ou alors faut le montrer avec des conséquences. C'est dangereux et pas comme quelque chose de normal. Bref, au final, la tension du film pour moi, elle est montée là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce chien? Ils sont totalement fous. Ils font des choses qui sont totalement contradictoires par rapport à la prévention morsure, mais de base, quoi. Par exemple, on vient de récupérer un chien, on ne connaît pas son passé, on sait qu'il est plutôt fort et courageux, présenté comme un chien de garde, protecteur. On ne confie pas un enfant. On ne confie pas un enfant pour qu'il aille faire du roller avec. On ne le fait pas pour plusieurs raisons. On ne le fait pas... Parce qu'on sait jamais comment va réagir le chien, mais aussi parce que c'est l'enfant qui va devoir gérer les situations. Qu'est-ce qui va se passer si jamais le chien s'avère être agressif envers les vieilles dames, les déambulateurs, les poussettes? Qu'est-ce que l'enfant va faire si le chien panique? Non, ça se fait juste pas. Si c'est votre toutou, que vous connaissez à fond, que l'enfant vous le connaissez à fond, que vous avez éduqué ensemble et tout, il y a au bout d'un moment, je dirais, à la limite, avec un chien inconnu. Non, s'il vous plaît, par pitié, non. Donc voilà, ce film m'a horrifiée pour le manque de prévention morsure, pas pour son côté horrible. Si on aime vraiment les chiens, je pense que personne ne peut vraiment apprécier ce film, parce que les chiens se font un peu maltraiter dans tous les sens. C'est pas plaisant à regarder, quoi. Mais il y a un truc de fin qui m'a particulièrement embêtée. Donc je vais pas vous dire ce qui se passe avec ce chien, je vais pas vous dire tout ce qui se déroule et tout. Bref, quand on replace un chien, quel qu'il soit, pour des problèmes de comportement ou pour d'autres problèmes divers et variés, à mon sens, on ne peut pas le remplacer. Un chien, c'est un individu, il est irremplaçable, tout bêtement. Et quand on abandonne un chien, je pense que la moindre des choses, c'est de prendre un bon moment pour réfléchir aux choses et se poser des questions, les bonnes questions. Mais on ne réadapte pas dans la seconde. Ça me paraît basique. Donc dans le film, il y a une scène où quelqu'un offre un chiot et remplace le chien. Et ça me dérange tout particulièrement parce que cette scène paraît juste normale, basique. On dirait que c'est l'usage presque. Alors qu'absolument pas. C'est pas le genre de choses qu'il faut faire.
Déjà, on n'offre pas un chien, on ne prend pas un chien en remplacement. Et si jamais on décide de réadopter, on le fait en réfléchissant un maximum et donc en se renseignant sur le chiot qu'on va adopter, si on adopte un chiot, ou sur l'adulte qu'on va adopter si on adopte un adulte. En l'occurrence, c'est une famille qui a l'air d'avoir relativement peu de temps pour le chien, au final, qui va le confier à un enfant pour qu'il sorte, ce qui est discutable. Et c'est possible que je me trompe, hein, mais je pense que le chiot qui est offert, c'est un Parson Russell. Donc le genre de race qui est plutôt dynamique et qui a plutôt de gros besoins physiques. Des petits chiens de chasse un peu survoltés, bref, c'est pas... Enfin bon, dans tous les cas, faut se renseigner, quoi. Et le chien est présenté comme étant un petit chien, donc un gentil petit chien, ce qui rajoute un peu au comble. Ouais. Du coup, la représentation du chien dans ce film, elle m'a fait un peu froid dans le dos parce que j'avais l'impression qu'on me présentait le chien comme étant un animal-objet. Pas réellement un individu. Pourtant, on me présentait un chien très intelligent qui avait tous les critères pour être considéré comme un individu. Donc, je sais vraiment pas quoi en faire de ce film. Il m'a pas plu. Si vous avez pas envie de voir de la maltraitance, le regardez pas. Après, je me pose des questions parce qu'il a été fait en 1993. Alors, peut-être que c'est les mentalités qui ont beaucoup évolué aussi depuis. Parce que, bon, du coup, ce film a quand même quelques années, hein. L'air de rien, le temps passe. Je sais pas. Donc, voilà, c'était le premier film. Donc, j'en ai trouvé un petit paquet d'autres. Dont un gros paquet qui m'angoisse terriblement parce que c'est des films faits pour les enfants. Avec des chiens qui parlent et tout et tout. Le genre de choses que je déteste. Mais je me dis que ce serait quand même intéressant de voir un petit peu toutes ces questions de représentativité et de se poser juste 2-3 questions dessus. Qu'est-ce que ça montre? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça fait froid dans le dos pour les mauvaises raisons? Donc voilà, je reviendrai vers vous avec d'autres films sur ce format. Alors bien sûr, je continue les autres formats, hein. Il y aura toujours des vidéos du point lecture. Je suis en train de lire un des bouquins, mais il ne me passionne pas, donc c'est un peu compliqué. Il y aura toujours des vidéos une.fr. Par rapport à ce film, j'en ai prévu une. Oh, ma poupée. La fainéantise. Ouais, pour être tout à fait honnête, la fainéantise. Je l'ai pas fini. Il faut que je bosse dessus et tout, mais il y a plein d'images à faire. Je l'ai pas fini. Bref, elle arrivera quand elle arrivera. C'est sur la sélection, donc c'est pas quelque chose qui parle particulièrement de comportement. Je pense que ça sera quand même intéressant, mais ça arrivera quand ça arrivera. En attendant, il y aura d'autres vidéos du point de lecture, d'autres vidéos comme celle-là. Et je ferai peut-être aussi d'autres vidéos sur d'autres petits formats, mais qui risquent d'être un petit peu longs à faire, donc ne s'attendez pas rapidement, quoi. À ma poupée. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt! Comment je fais pour couper la vidéo? J'espère que c'est pas coupé tout seul. Hein. Eh oui, là je suis coincée.